وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Certains s'appellent Al-Jabriya et d'autres Al-Qadariya. Entre les deux, il y a les gens de la Sunna. Al-Jabriya, c'est quoi ce qu'ils disent? Ils disent, tu es toi dans la destinée comme une feuille emportée par le vent. En gros, tu décides rien. Il fait un péché, قَدَّرْ اللَّهُ مَا شَاءَ فَعَلْ. Ah, c'est Allah qui a voulu. Un Jabri, c'est ça un Jabri. Pour lui, le péché, c'est Allah qui a voulu. Je l'ai fait, c'est Allah qui a voulu. C'est-à-dire, il ne demande pas pardon à Allah. Il se décharge de sa responsabilité. Allah, il ne se remet jamais en question. Les gens qui adorent les tombes, c'est Allah qui a voulu. Les gens qui adorent les statues, c'est Allah. Donc, en gros, ils n'ont pas de compte à rendre. Un Qadari, c'est le contraire. Eux, ils disent que Allah, il ne sait pas ce que tu vas faire jusqu'à ce que tu le fasses. Ils insultent Allah d'ignorant. Et ils disent que c'est toi qui crée tes actes. C'est toi qui crée tes actions, tes mauvaises actions. Parce qu'ils disent, c'est pas possible qu'Allah, il crée le mal. Mais sache que même le mal que toi, tu fais, c'est mal pour toi. Allah, il te l'a interdit à toi. Mais pour Allah, subhanahu wa ta'ala, il y a une sagesse derrière. C'est pour une sagesse qu'il a créé le bien et le mal. C'est pour une sagesse qu'il a fait que tu vas faire un mal ou tu vas faire un bien. Derrière tout ça, la sagesse, c'est qu'il va avoir un jugement et des gens du paradis et de l'enfer. Donc, c'est interdit pour toi. C'est un mal pour toi. Mais Allah, tabaraka wa ta'ala, dans l'absolu, c'est pas un mal. C'est pour une sagesse qu'il fait ces choses-là, subhanahu wa ta'ala. Wadih. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا.